Les amis, il est 21h21. C'est le bordel. Voilà, du 90-100 actuellement. Les amis, du 90-100 actuellement, vous allez voir là-bas, il y a une grosse branche qui a cassé d'un truc qui devait être là le long de la haie. Voilà, les amis, 100 à 110 possible dans les toutes prochaines heures là. Entre 22h et a priori 3h du matin. Oh, mon dieu, le bruit! Oh, les gars, les rafales qu'il y a, ça fait peur. Franchement, je vous le dis, ça fait peur. J'ai jamais entendu un truc pareil. Dieu, ça fait un bruit. C'est énorme, les gars, regardez là-bas. Attendez, je vais couper la lumière. Regardez là-bas le bordel que ça a mis. Regardez le bordel que ça a fait. Oh, nom de Dieu. Les gars, je vais me dépêcher parce que d'ailleurs je vais me prendre un truc sur la tronche. Regardez, ça a tout foutu par terre, les sapins que vous avez plantés, tout. Regardez, tout ce bordel. Regardez, regardez, c'est un vrai jeu de Mikado le machin. Moi ça. Et regardez la branche. Ils l'ont enlevé, regardez, ils l'ont enlevé, elle était sur la route. Voilà. Regardez-moi ça, petit dégât. Hop là. Regardez, on peut même la replanter. Regardez. Regardez, j'ai replanté l'arbre. Et bah l'arbre. Voilà. Non mais voilà les amis, c'est un joyeux bordel. Franchement, c'est un joyeux bordel. On peut même la remettre à portée de main. Voilà. Donc il y a ça qui a cassé. Pour l'instant, c'est les seuls dégâts visibles. Oh, les gars, il y a un vent des enfers. Je vous jure. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais entendu un tel vacarme de toute ma vie. Ah franchement, ça fait peur. Je vous dis, ça fait peur. Alors là, ici, il n'y a pas de grand chose ici. Ils sont pas très exposés, les sapins. Enfin, faut vraiment des grosses rafales, quoi. Les gars, ça fait peur. Je vous le dis, ça fait peur. Je vous le cache pas, ça fait peur, honnêtement. Quand les rafales, elles arrivent... En fait, le vent moyen est pas si violent que ça. C'est vraiment des à-coups, quoi. Le vent est brutal. En fait, c'est des rafales, mais c'est brutal, en fait. C'est pas genre, tu vois la rafale arriver de loin, c'est d'un coup. Tu comprends rien, en fait. Les gars, c'est un bordel, juste pas possible. Attendez. Nom de Dieu. Les gars, c'est horrible, ce vent. C'est horrible, ce vent. Je vous jure, quand il y a les rafales, par contre, ça fait sérieusement peur. Tout à l'heure, je mangeais avec mon frère. Oh, il y avait des trucs qui claquaient. On aurait dit les tuiles, elles allaient s'envoler, je vous jure. C'est un truc de dingue. J'ai jamais vu que ça, jamais vu qu'un truc pareil. Il y a des putains de sapins, là. Oh, mon Dieu. Le sapin, il va mourir. Le sapin, il va décéder. Regardez les nuages à la vitesse à qui ils vont. Ah, casse-toi la manche. Regardez la vitesse à laquelle vont les nuages. Et le petit trou à côté de la lune quand il va passer vite, c'est un truc de dingue les amis, c'est un truc de dingue, clairement, je vous le dis, c'est possédé, clairement, je vous le dis, là le vent il est possédé. Purée, c'est de la folie les gars, c'est de la folie. Ce vent de fou. Et de la musique là-bas, je sais pas, ils ont laissé de la musique H24, en fait elle sert à rien mais elle est là, il y a de la musique. Alors ce pain les amis, il prend tellement cher quand il y a les rafales, le pauvre. Il souffre. Il y a l'olivier derrière aussi qui prend très cher. Ça fait un bruit. Voilà un truc qui tape. J'ai entendu tout à l'heure, quand je suis descendu vers 19h, j'ai entendu des bruits de bois qui craquent en fait. Donc je sais pas si c'est pas des arbres ou des grosses branches qui ont cassé. En tout cas, des gros bruits d'arbres qui cassent. C'est pas très rassurant. Là, 21h25, je sais pas du tout, j'ai pas regardé avant de descendre la valeur qui a été relevée à 21h15. Et on doit être aux alentours des 95. Et a priori, on pourrait monter à 110 cette nuit. Et on pourrait même potentiellement parler de localement 120, peut-être 125 entre Orange et Avignon. Bon, c'est pas sûr, hein, franchement, mais au vu de la situation, voilà. Oh les gars, c'est l'enfer ce moment. Je vous jure, c'est l'enfer.
C'est incroyable. Oh, le bruit que ça fait, les gars, c'est un truc de fou. Je vous jure. Quand... Oh. Attention. Aïe, je suis accroché au... Oh là, truc qui va là-bas. Je suis accroché au grillage. Gars. Monsieur. Quel bruit que ça fait dans les armes et c'est... Oh, ça me glace le sang. C'est dingue! C'est du délire le truc! Dieu! Je m'en prends plein la tronche! C'est absolument merveilleux, je m'en prends plein la tronche! Bordel le plus total, les gars. C'est le gros bordel. J'essaye de positiver parce que, en fait, c'est vraiment que ça fait peur. En fait, c'est limite, j'ai peur. Non, mais je vous jure, j'ai jamais vu ça. Clairement, j'ai jamais vécu un truc pareil. Franchement, il faut le vivre pour le croire. Hein. Quand on vous dit que le Mistral il plaisante pas, il plaisante pas quoi. C'est voilà. Regardez la vitesse à laquelle les nuages se barrent. Regardez-moi ça, c'est... Mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, il y a des sapins, tiens. Si on filmait les sapins. Il y en a des petits sapins. Des petits sapins possédés. Ils sont pas morts encore, les sapins. Ils ont pas été victimes de la terrible tempête. Oula, il y a des rafales qui arrivent. Oula. Oula, je les entends. Oula, je les entends. Elles sont derrière l'hôtel. Elles arrivent. Les gars. Oh, l'arbre, vous avez vu comment l'arbre il a bougé? Je sais pas si on a vu dans le. Seigneur Marie-Joseph, on va tous mourir. Les gars, on va tous mourir. Comment l'arbre il a été maltraité? Les gars, c'est la fin du monde, je vous jure. Ça fait peur, putain. On va dire que j'ai pas l'habitude du vent maintenant d'être à Valence, mais aussi violent en fait, je suis pas du tout habitué par contre. Je vais pas vous cacher, là pour moi c'est une grande première. Affronter du 110, ouais non, c'est une grande première pour moi. En fait, la seule fois où il y a eu 106 km/h, je dormais à Grenoble. C'était une tempête de sud et à 3h du matin, je crois qu'il y a eu 106. C'était le 6 mars 2019. Et en fait, cette nuit-là, bah ça fait un bordel juste pas possible. Et moi je dormais. Je dormais. C'est super, je me suis endormi, je pensais que c'était fini, bah non. 3h du matin, 106. Oh la rafale. Alors ça c'est j'adore. Lui il bouge pas. Là il y a rien qui bouge. Alors derrière ils viennent de faire un bruit juste démentiel. C'est absolument magnifique, il y a des arbres qui bougent tout seuls. Non mais voilà quoi, il y a des rafales fantômes. Vous avez vu, c'est des rafales fantômes. Je sais pas d'où elles sortent. Non les gars, ça fait peur, sérieux. Les arbres ils vont pas bouger là et eux ils ont fait un bruit d'enfer juste là. Bon, en même temps ils sont plus hauts, j'ai envie de dire, ils sont peut-être plus exposés. On va tous mourir. C'est impossible. Man dieu. Des fois les rafales, vous voyez, à cause de l'hôtel elles passent plus haut, elles passent au-dessus des sapins, donc on n'a pas toujours les grosses rafales dans la vidéo. Oh les gars, ça craint. Oh les gars, ça craint. Ça craint, sérieux. Il est que 21h30. Ça va durer jusqu'à demain après-midi. Et moi je pars demain matin, hein, je tiens à le préciser, donc là j'essaie d'en profiter un max. Après, c'est fini. Bon, il y aura toujours la tempête de sud qui pourrait se profiler pour le week-end. Les gars...
regardez le cyprès quoi. My god. Ce bronx total. Ah, des épines qui tombent, des je sais pas quoi, là, des branches. Un peu de tout et n'importe quoi, des feuilles qui volent dans tous les sens. Merveilleux bordel. C'est merveilleux bordel. Non mais les gars, c'est un truc de dingue. Oh, oh les gars, je les entends, les rafales arriver. Ça fait un bruit. Et en plus, en bas de la rue, tout en bas, il y a plein de platanes. Sauf qu'ils sont pas taillés. Ils ont des grandes branches. Vous savez, ils ont été taillés, mais après, ils ont les grandes branches qui poussent toutes droites. Je vous dis pas le bruit qu'ils font, c'est vraiment sinistre. Ah, c'est horrible. Ils font un bruit, c'est juste horrible. Ça fait vraiment peur. Les arbres, ils grognent. Les 510, mais je le sens, je sens qu'ils vont arriver et je sens que je vais pleurer en fait quand ils vont être là parce que j'ai jamais vraiment vu de mes propres yeux du 510 sous des arbres quoi, donc ouais, ça doit faire bien peur quand même. Il y a eu 87 km/h à Valence, les amis, record battu pour cette année 2020. Maximum qui était de 79 au mois de novembre que j'avais filmé, et bah là 87, les amis, ça doit être un bordel là aussi à Valence. Je sais pas pire qu'ici, hein, ça va, c'est en soi. Hein. 87, 94, bon ça va. Non, ici par contre ça va faire peur là dans quelques heures, ça risque de faire vraiment peur. Ça va pas rigoler du tout, clairement. Oh, c'est calme. Pourquoi c'est calme? J'aime pas le calme. Pourquoi c'est calme? C'est calme, mais je dis ça, mais après dans 5 minutes je vais pleurer parce qu'il y a du 110 qui va débarquer. Et je vais pleurer parce qu'il y aura des morceaux de pain qui vont tomber. My god. Allez les gars, ce bruit que ça fait. Ce ronflement qu'il y a dans la vallée. C'est un peu le bordel. Il y a que ça, on entend que le vent. Il n'y a pas un autre bruit, même pas un avion, même pas on pourrait l'entendre. Je pense que même pas un avion pourrait l'entendre, le pauvre. Je sais pas, il y avait pas de voiture. Mais des fois, tout à l'heure, il y avait des bagnoles. Je s'entendais même pas arriver. Juste pour vous dire, le bruit de la voiture qui arrive se confondait, voire était en dessous du bruit du vent dans les pins. C'est génial. C'est quoi ce bordel derrière? Ah, c'est les drapeaux. Drapeaux qui sont en train de mourir. Pauvres drapeaux. En train de décéder. En train de décéder les drapeaux. Voilà. Pour l'instant, moi je suis bien, je suis à l'abri. Je me suis pas pris encore de super grosses rafales depuis le début de la vidéo. Je suis bien là. Par contre, des fois ici, si ça descend. Alors là. Ça se tarde tout à l'heure, comment il s'est fait jeter par le vent. C'était un truc de fou. En plus, il y a les lignes électriques là. On voit pas, mais là, il y a le poteau, il y a deux lignes électriques, trois qui se rejoignent. Il y en a une qui est attachée ici, il y en a deux en haut. Je vous dis pas, c'est à peine bien foutu le truc. Il y a plein d'arbres autour, mais il y a des lignes électriques. Bon, en même temps, tailler des pins, je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Vu la taille des trucs, ça doit coûter cher. Ah les gars, c'est horrible, il fait tout noir, on entend le vent dans les pins, c'est sinistre. Ça fait des bruits fantomatiques qui courent là dans les trucs. Mais les rafales sont quand même vachement, elles sont isolées. C'est que tout à l'heure, il y a eu une rafale hyper violente qui est passée là, ou comme je vous ai dit là tout à l'heure, et ici rien. C'est vraiment bizarre en fait, comme vent le Mistral ici. Il souffle un peu quand il a envie et comment il a envie. C'est génial, il fait le bordel, mais un peu où il a envie. C'est qu'ici, des fois, il peut y avoir du sang. Et tu vas à l'autre bout là-bas, y'a rien. C'est tout à fait normal. Bon, en même temps, y'a l'hôtel en plein milieu, j'ai envie de dire. Ça change à rien que normalement les rafales sont censées être uniformes et relativement étendues. Oh mon dieu, ce bruit que ça fait. Oh mon dieu, le bordel tout là-bas. J'entends les arbres. Pauvre. Rafale de nord-nord-est là-bas au fond.
La vache. Ah, bientôt pour nous la nord-nord-est. Ah, je crois qu'elle arrive. Ah, elle arrive. Ah merde, il y a le flash. Depuis tout à l'heure. Bouffer ma batterie. Oh, gars. Là, c'est quoi? J'ai entendu des trucs qui. Ah non, je crois que c'est le truc qui bouge là-bas. Le truc de la terrasse. Pas mal de nuages hein, quand même, je trouve, encore. Regardez, la lune elle est cachée. Oh, plus. Il y a quand même pas mal de nuages qui descendent encore, malgré le mistral. Pourtant on est loin dans la vallée du Rhône. Ce bruit. Bon là c'est pas les plus grosses rafales que j'ai en vidéo, hein. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. C'est ce qui passe là-bas au fond, c'est hard. Je sais pas si on entend. C'est le bordel là-bas au fond, si ça bouge pas d'un poil. Enfin si maintenant, mais. Le temps que la rafale arrive, il s'est écoulé une éternité. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, ça y est, c'est le bordel. C'est le bordel ici. Bah, du tout si on a dépassé les 100 km/h, je pense pas parce que c'est pas aussi violent que tout à l'heure là. C'est un cran en dessous, j'ai l'impression. Tout à l'heure ça faisait vraiment peur, mais là ça fait moins peur. Ouais, ça fait peur, mais légèrement moins quoi. Il y a un truc de moins. Le vent, tu voudrais pas faire un effort s'il te plaît? Fais un effort, tiens, la lune est revenue. Fais un effort. S'il te plaît, pour ma vidéo. Bon, les amis, je vais couper, puis s'il y a une rafale, je reviens. Enfin, il y a des rafales, mais je sais pas quand. Ces arbres sont tellement insensibles au vent, ils bougent pratiquement pas. C'est un truc de dingue. Ils sont insensibles au mistral. Ils s'en foutent totalement du mistral. Ah, attendez, oh là! Oh là le cyprès. Là. Il craque le. Non. Bon, allez le vent. Il y a un bruit. Oh, c'est épouvantable. Quand tu peux dormir avec ça, putain. Il y a un bruit, c'est épouvantable. Et on entend que ça. Oh. Oh. Ça passe juste là. Ça passe juste là. Là, le long, là, ça part derrière. Ça nous touche même pas. On est à peine effleuré par la rafale, quoi. C'est totalement possédé, hein, clairement. C'est absolument possédé, on est effleuré par les rafales. Allô. Mes amis, j'ai coupé, je reviens s'il y a une rafale. Alors, on va faire comme ça. Hein.